Oh, ces mouches, insupportables. Bon, oh, oh, un client. Oh, on va sauter sur l'occasion. En espérant que ce soit pas encore de la racaille. Oh, je suis pas d'humeur aujourd'hui. Et tout seul, pas de racaille à l'horizon, c'est bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre ceinture, s'il vous plaît. Pas de soucis. Ça serait pour aller à la fourrière, s'il vous plaît. Cette journée se passe bien. On va dire un peu très mal. Quoi ça? Je me suis réveillé, on m'a volé mon véhicule. Effectivement, c'est pas de chance. C'est pour ça que je vous appelle pour aller à la fourrière. Sinon, vous allez bien? En ce moment, je suis pas trop d'humeur, je vais pas vous cacher. Je sais pas si vous sentez comme moi, mais... Il y a une petite odeur, quand même. Ça doit être les égouts dehors, je suppose. Ah, peut-être, ouais. Parce que ça commence à bien sentir. Ça vous dérange pas si je peux ouvrir la fenêtre? Ah, c'est vraiment insupportable. Oh, oui, on doit passer dans une zone marécageuse. Mais c'est assez souvent comme ça en ville que ça sent. Apparemment. D'accord. Souvent là où je vais, c'est... Je sais pas, les gens se plaignent souvent. Excusez-moi, vous avez pas un petit parfum ou quoi que ce soit pour mettre? Parce que là, c'est insupportable. Hein. On est bientôt arrivé. Ne vous en faites pas. Vivement qu'on arrive, parce que c'est insupportable. Hein. Oui, on arrive, une seconde. Je veux pas griller tous les feux tout de même. Oui, c'est sûr. Oh, je vais me stationner sur le parking, il y a du monde derrière. Oh, je ne sens rien du tout dehors. Ah oui, là, ça sent... Ah, c'est mieux. Est-ce que... Non, mais... C'est trop. C'est trop. C'est moi qui pue de la gueule, en fait. Vous pouvez pas arrêter votre client là, sur le trottoir comme tout le monde. Faut pas rouler sur le trottoir, monsieur. Faut pas rouler, non mais. Les warnings, c'est fait pour les chiens, hein? C'est ça? Ah! Non mais. Oh! Non mais. Oh, mais vous êtes pas sérieux! Non, Alors maintenant, vous allez sortir du véhicule. Je vous tiens. Photo. Non, regarde, photo. Je prends la photo. Vous avez tapé de mon véhicule, vous sortez faire un constat maintenant. Sinon, on va s'arranger autrement. Monsieur, vous êtes trompé de personne. Non, non, vous voulez me rentrer à l'instant dedans. Photo. Non, mais... Oh, vous devriez faire... Ne m'obligez pas à faire la force. Vous devriez peut-être pas attendre dans le milieu de la route, monsieur. Pardon. Ça commence à bien faire avec ça votre doigt, là. Bon, vous l'aurez voulu. Et sentez-moi ça. Crétin. Sous ce, ça fait son effet. Ah, c'est plutôt radical. Là, au moins, on est fixé. Allez, on y va. Ouais, je veux bien. C'est pour vous. Je prends un petit peu de temps pour moi. Ah oui, oui, tout à fait. N'hésitez pas si vous voulez un petit, des petits saucissons, des petits trucs comme ça. Il y a des chips, pistaches, noix cajou, chips et saucissons. Je prendrai peut-être un petit hors d'œuvre après. Je vous appellerai. Oui, pas de soucis. Quand vous passez, bon bah, régalez-vous et puis voilà quoi. Très bien, merci. De rien. Pourquoi ils sont tous là à me tenter? Oh, ça va mal finir tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, moi. J'ai l'impression de me décomposer. Oh, cette haleine. Ah. Bon. Tout va bien, monsieur? Ça va. Très bien. Vous voulez des trucs à manger pour des apéritifs? C'est offert. C'est vrai? Oui. Oh, un petit accompagnement qui va avec. Oh, c'est très gentil. Ah, j'ai un bout d'oreille. Oh. Très bien. Oh, mange bien, bois bien. Je reviendrai. Ah. Oh, ça va. Qui me parle?
Vous avez fait quoi la personne là? Ouais, vous approchez pas là. C'est passé quoi avec le barman? Il m'a proposé gentiment à manger. N'est-il pas gentil? J'appelle les flics, il faut. Et commencez pas, hein. Allez, okay. Tu balais. On va prendre la voiture. Faire bien une petite sieste. Ouais, y'a une personne âgée qui vient de bouffer l'oreille d'un gueule. Ouais, je suis une unicorn. Ouais, tout à fait. Il est complètement bourré. Oh, il casse la tête, monsieur. Ça fout de moi. Oh, non. Oh, mais tu vas sur pas côté. Pardon. Vous avez tapé le cul, vous mettez pas sur pas côté. Pour parler, c'est vers avancer. Oh. De quoi toi, t'es fou? Vas-y, descends ta caisse. Et descends ta caisse. Non, je l'ouvrirai pas. Partez. Bah, c'est tu vas l'ouvrir. Ok, oh, je vais appeler la police, tu vois. Oh, bah, allez-y. Rien à me reprocher. Porte tes couilles. Non, mes couilles sont très bien où elles sont. Je veux pas. T'es qu'une fille, hein, mais... parce que tu croyais, j'en étais sûr. Tac, mais. Bougez de là, la police va arriver. De quoi bouger de là? Allez. Non. Non mais, c'est tu fermé. Pas bouger. Non mais... mais tu restes ici, tu vas pas bouger. La police elle arrive, tu vas voir. Au secours! Au secours! Mais au secours de quoi? Appelez la police! Y a pas de secours, la racaille, tu fais le truc. La racaille. Et la racaille, sa racaille. Et moi... De quoi la racaille? Il m'a... C'est toi qui me rentres dans le cul? Non mais... Tu m'as refait le pare-choc? Non mais vous... Quoi? Vous débloquez ou quoi? Mais c'est... Mais de quoi je débloque? Tu t'es arrêté au feu rouge, tu m'as rentré dans le cul? Non mais... Montrez-vous de quel bois vous vous chauffez. Mais de quoi? Allez-y, vous allez être un grand garçon, un grand gaillard tout de même. Allez-y, bottez-lui les fesses. De quoi botter les fesses? Par contre, t'as payé pas le véhicule taxi, je suis copain de taxi, vous avez payé les réparations sinon. Oh. Bah il va payer les réparations sur mon taxi, sur ma voiture alors. Ouais, mais vous tapez sur le véhicule, vous allez pas vous énerver comme ça. Bah quoi, il refuse de faire un concert? Bah appelle la police. Mais j'ai appelé. Ah bah quoi? Faire agresser. Bah de quoi agresser? Tu rentres dans le cul et après tu te fais agresser dans ta voiture. T'as pas été agressé, c'est moi qui me suis fait violer par le cul. Hein. Ah bah allez. Bonjour à vous. Bonjour monsieur les agents. Du coup je vous ai appelé parce qu'en soi j'étais à l'état feu rouge ici. D'accord, j'arrive. Oui. Et il y a ce taxi qui est arrivé à fond et qui m'a rentré là dans la voiture. D'accord. Je me suis fait agresser. Voyez. Bon, le problème c'est que mettez-vous sur le côté déjà si vos véhicules roulent. Là vous gênez la circulation. Il refuse de sortir de son véhicule. Mais vous voyez pas qu'il manque de roues dans le taxi? Mais vous êtes où? D'accord, mais il manque de roues alors. Il m'a complètement vandalisé le véhicule. Descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Je descends. Il est dessus. Je voulais pas descendre avant, j'avais peur de... Venez, on va parler sur le côté. Il a même le verre à la main, c'est quoi ça? Venez, on va parler sur le côté. Je peux tout vous expliquer. En plus, vous voulez contrôler juste... Je suis désolé. Ouais. Ah ouais. Les chemins se retrouvent. Allez, monsieur, suivez-moi, on va faire un test alcoolémie, là. Je vais vous donner ça. Vous allez souffler dedans pendant 10 secondes, d'accord? Vous êtes sûr qu'il faut que je souffle? Vous êtes sûr? Bah oui. Tenez monsieur, je vous donne le tuyau. Ça va encore mal tourner. Allez, soufflez s'il vous plaît. Je vous aurais prévenu. C'est supérieur à 0,25, c'est... Ouais. Ah, si je suis dans Hollywood, avant qu'il souffle. Ouais, ce serait peut-être mieux. Là, ça commence à bien faire. Cette moquerie, cette insubordination. Oh, croyez-moi, vous me le payez. Tous. Qu'est-ce que vous êtes de la sorte alors, là? Vous tous là. Menaces civiles et menaces agents de police. Oh, ouais. Alors là, c'est la goutte de trop. Écoutez, nous, on va essayer de comprendre votre problème. Déjà, pourquoi vous buvez au volant déjà? Je n'ai à peine. Assumez, monsieur, assumez, c'est à moitié pardonné. Un oubli d'un client. Voilà, d'un client. D'un client, d'accord. Oui. Comment ça, c'est-à-dire? Un oubli d'un client. Expliquez-moi. Oui. Je suis passé à... Il y a les demoiselles nues, là. Ah, mais c'est lui, le vieillard! Alors ça... Vous avez mordu l'oreille de quelqu'un. Pardon?
Oh là là, mais tout se relie, ok. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'expliquera personne, moi je vous le dis, moi. Oh. Bah écoutez, bah non, on va pas... D'accord, bah moi ça m'arrange, hein. On va pas se casser la tête, mais vous êtes incriminé. Comment ça? Bah écoutez, soit vous nous prouvez... Bah d'accord, mais soit vous nous prouvez que vous n'avez rien dans le sang, ou soit vous êtes incriminé. Oh non, mais... C'est vous qui choisissez. Je n'ai rien de toute façon dans le sang, donc... Assis sur le lit, monsieur. Oh non, Asseyez-vous. Non, mais écoutez, j'ai de l'argent, vous savez. On s'assoit. Je peux vous donner de l'argent. Oui, on peut s'arranger. Ah, vraiment? Oh, vous me sauvez la mise. Oh, croyez-moi. Oh, c'est vrai que je ferai de vous un argent, mais je ferai de vous un homme heureux. Croyez-moi. Vous êtes capable d'aller de vous rendre au poste de police ou pas? Marcher. Oh, c'est compliqué. Oh, si je n'ai pas le choix. Compliqué, d'accord. Pauvre bon, je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. C'est... Oui, vous inquiétez pas. Oh. Vous expliquez quelque chose. Tout à l'heure, vous étiez bien à l'unicorne. Je suis passé, effectivement. Oui, vous êtes passé. Et il s'est passé quoi là-bas? Je me suis détendu, je comprends pas. D'accord, vous comprenez pas. D'accord, bah vous savez quoi, détendez-vous là, d'accord? Et puis on revient dans 5-10 minutes en fait, tout simplement. Faire une petite sieste, je pense. Voilà, faites une petite sieste. Ouais. Faites une petite sieste, voilà. Ah, mais j'ai endormi. Je suis Eldor, Eldor, réveille là-bas. Prenez bien votre temps, monsieur. Ah, c'est lui. Ah, pourtant ils sont la bière. Mais au niveau du sang, il y a 1%. Bah ouais, c'est à moins que c'est les appareils qui déconnent. Il a pris du rhum et c'est là qu'il a... il s'est levé. Il a vu sa bouteille, il s'est levé, il m'a bouffé l'oreille. Il s'est mis à m'agresser, et il m'a bouffé l'oreille et tout. Et il est réveillé ou pas? Et il délire toujours, mais il dort. D'accord, ok. Ah, ça va être compliqué. Très bien. Vous êtes seul ici? Oui, je suis seul. Crétin. Bon, et si on passait faire un petit coucou à notre ami le maire? Oh, lui faire une petite salutation tout de même. Il est temps de faire un petit test. Vu que j'ai une haleine si terrible, on va la mettre en bocal. Et on va l'offrir à notre chère mère. Je pense que ça devrait le faire. On va offrir ça au maire, on verra bien ce qu'il en est. Bon, apparemment, le maire serait à cet enterrement. J'ai trouvé l'endroit idéal pour l'observer. Oh, et voilà qu'ils sortent. Oh, le maire est bien là. On va lui faire une petite surprise. Parfait. Doucement, tranquillement. Oh, ce petit Mercedes noir du taxi me rend grandement d'utilité. Pour passer inaperçu, c'est parfait. Oh, je vais aller me garer un peu plus loin, moi. Oh, le maire est bien là. Parfait. Bon, on les voit souvent ici au cimetière. Ils ne seraient pas si stupides. Ils ne se feraient pas enterrer une fois par semaine. Quel crétin. Bon, parfait. Je vais l'attendre un petit peu plus haut là-bas sur la colline. One eternity later. Ah, c'est pas trop tôt. J'ai cru qu'il n'y arriverait jamais. Une fois par semaine, c'est des congés qu'il devrait poser pour ce genre d'enterrement. Inadmissible. Bon, le maire s'en va aussi. Il va falloir que je le suive discrètement. Allez, Georges, c'est à toi de jouer. Je vais lui montrer, moi, de quelle haleine je me chauffe. En même temps, c'est pas compliqué de le suivre, ce maire. Avec une telle voiture, il ne passe pas inaperçu, on va dire. Ha. Bon, allez. Il doit sûrement rentrer à la mairie. Oh, un gitan. Ah, mon chef. Bonjour. Ah, bonsoir, mon chef. Comment tu vas, Dragon? Excusez-moi. Oui. Voudriez-vous bien me rendre un petit service, jeune homme? Oui, bon, pas assez, mon chef. Attends, bonjour, je descends. Oh, oui, descendez. J'ai un petit peu mal aux jambes. Est-ce que vous jouez avec votre camionnette? Vous faites livraison? Ah, ouais, je faisais un petit peu de livraison, vraiment. Ah, c'est vrai. Oh, écoutez, j'ai un truc. J'ai quelque chose de extrêmement précieux à livrer au maire, une admiratrice qui voudrait lui rendre. Oui, serait-il possible de lui remettre? C'est très bien payé. Ah, bah écoutez, oui, on va pas de soucis, mais carrément. Oh, c'est vrai. Venez monter dans la voiture, je vous le donne. Allez, on va de soucis, mon chef. Faites attention, il est bien hermétique, ne l'ouvrez pas. C'est le parfum d'une amourette secrète. Ok, on va de soucis, mon chef, carrément, pas de soucis. Ah, c'est quoi, c'est ton du parfum, c'est ton ça? Nagel, super. Voilà.
Bon, je vous remercie. Vous et, voulez... et pour le paiement, ça se passe comment, mon chef de groupe? Tenez, tenez, je vous le donne. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Regarde. Ouais, pas de soucis. Ah, nickel, mon chef. Ça ah, donc, super. C'est ouais, bien payé, hein. Ah ouais, nickel, nickel. Bon, vous lui dites bien, c'est le parfum d'une amourette secrète. Quelqu'un amourette de... secrète. Okay. Voilà, voilà. C'est... Ah, nickel, nickel. Très bien, je vous remercie, bravo. Ah, merci à vous, mon chef. Bon, bravo, j'y tends. Allez, au revoir. Parfait. Oh, mais j'ai trouvé le pigeon idéal. Oh, mais c'est pas une merveilleuse coïncidence. Oh, et cette mairie-là, qui devrait porter mon nom. Bon, oh, c'est pas grave. Oh, j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir ce qui se passe. Ça parle qui? D'accord, ça marche. Ah, merci beaucoup. T'as une bonne soirée, et puis, puis à la prochaine, carrément. Bah oui, bah merci à vous, bonne soirée. Allez, moi de rien, tout chaud, nickel. Au revoir. Allez, bonne soirée, mon chef. T'as donné quoi si t'es pas inscrit? C'est pas une boîte? Non, c'est un bocal. D'accord, ok. T'as pu ce merde. Oh.